C'est la quatrième fois que Son Excellence rencontre ses représentants et qui remercie extrêmement les leaders de ce pays, surtout les décisions par exemple d'éduquer gratuitement les enfants à l'école primaire ou tout simplement donner des soins médicaux gratuitement aux enfants de moins de 5 ans, etc. etc. Et ils aimeraient en tout cas que tout continue positivement. Et comme vous le savez, les sessions de moralisation de la société sont animées aussi par les conseillers principaux de Son Excellence Président de la République, à savoir Dr. Sejin Nakumana et le porte-parole du président Jean-Claude Ndezako, qui ont en fait conclu cette première partie, ce que l'on peut dire, la première partie de la moralisation de la société, et tout en montrant encore une fois, en rappelant le pacte d'impérialisme qui montre le rôle des colonisateurs et dans la division de ce pays, mais aussi du continent africain, montrer à travers par exemple l'éducation que leur rôle était plutôt négatif que positif. Et Son Excellence, le Président de la République, a montré à ses représentants des confessions religieuses qu'il faut chaque fois prendre en considération, retenir les relations qui se trouvent entre le pays, les dirigeants d'un pays, les dirigeants religieux, mais aussi la famille, mais aussi Dieu. Il a rappelé que si ces relations sont bonnes, tout va se passer. En concluant cette session, les leaders de la confession religieuse ont prié pour Son Excellence et Son Excellence a prié à son tour à la foule présente. Et comme c'est la dernière fois pendant cette première séance, disons, tome 1, Son Excellence, le président de la République a reçu deux vaches de la part de cette association, mais aussi d'autres cadeaux.